s'installe, les concurrents vont pouvoir s'élancer. Et les voilà qui s'élancent pour 1800 mètres avec un bon départ de Alaska Wolf avec Catching Fire, Julieta ainsi que le numéro 3 Top 4 ne sont pas en reste avec également Rumba, le numéro 2 qui est là tout près, la Kazakh jaune de Yablunge se retrouve côté corde avec Fairy Wish qui pour l'instant dans la dernière partie du peloton avec Journey Flash ainsi également que Patterson et c'est Chief of Staff le numéro 1 qui ferme la marche avec Catching Fire le numéro 10 qui a l'avantage avec à son extérieur Top 4, Alaska Wolf, la Kazakh Grover est pour l'instant 3ème devant Yablunge, Kazakh jaune qui est à la corde, Rumba avec la robe grise est pour l'instant 5ème devant Journey Flash ainsi également que Fairy Wish, alors que Julieta se retrouve dans la dernière partie du peloton avec Patterson ainsi que le numéro 1 Chief of Staff. À bientôt le milieu de la ligne opposée avec Catching Fire, l'entraînement de Miroslav Vaz qui est en tête, Top 4 avec Sally Landgaard et 2ème à son extérieur avec Yablunge quel parcours idéal en dedans, Alaska Wolf est 4ème devant Journey Flash qui est sur un troisième rideau avec le long de la corde avec à son extérieur Rumba, nous avons à son extérieur également la présence du numéro 6 Fairy Wish, Julieta est pour l'instant en tépénultième devant encore Patterson ainsi que Chief of Staff. Tournant final, Catching Fire en tête, Top 4 et 2ème, avec en 3ème position la présence de Yablunge qui se retrouve côté corde, Alaska Wolf est pour l'instant 4ème devant Fairy Wish. Bientôt l'entrée de la dernière ligne droite avec Top 4 qui vient semble-t-il librement à la hauteur de Catching Fire avec Yablunge qui est 3ème, Alaska Wolf est 4ème devant encore un peu plus loin Fairy Wish avec Rumba également qui essaie de revenir devant Julieta. Top 4 qui a toujours les meilleurs, Alaska Wolf qui vient l'attaquer avec Catching Fire qui plafonne côté corde. Julieta, Fairy Wish avec Yablunge qui lutte pour les places avec Journey Flash, Alaska Wolf qui a pris l'avantage avec à l'extérieur Julieta et côté corde Journey Flash avec Alaska Wolf qui va s'imposer la deuxième place pour Julieta, la troisième peut-être conservée par Top 4 au dépens du numéro 2 Rumba. Voilà, victoire d'Alaska Wolf, le numéro 8, avec Jenny Landgaard qui l'emporte face au numéro 5, Julieta. La troisième place peut être conservée par Top 4, le numéro 3. C'est assez pointu tout de même. On a notamment Rumba qui est à l'extérieur, qui a terminé très convenablement. On va revoir ça à l'instant avec Top 4 qui a très longtemps fait illusion pour le succès. Mais le chemin a été long pour finir et Alaska Wolf va venir arracher la décision aux abords du poteau. La deuxième place pour le numéro 5, Julieta, qui n'est pas allée de l'avant aujourd'hui, qui a remarquablement terminé. Et est-ce que Top 4 a pu conserver la troisième place? À voir avec Rumba et puis également Fairy Wish, le numéro 6. Voilà donc pour l'arrivée de cette épreuve avec la victoire d'un outsider. 25 contre 1 de Jenny pour le numéro 8, Alaska Wolf. À tout à l'heure pour la quatrième et dernière.